Allez, je vais vous raconter une autre histoire. Elle est magnifique, cette histoire. Enfin, magnifique. Dans le sens où elle tient forcément debout. Imaginons qu'il y a un homme, cette fois-ci, qui a réellement tapé plusieurs femmes. C'est un méchant. Mais il a changé. D'accord? Les femmes se sont dit, si jamais il tape une autre victime, on s'en débarrasse. D'accord? Deux. Trois. Quatre. Dans les réunions de femmes victimes de violences, cet homme, c'est le diable pour toutes les femmes. Vous comprenez pourquoi? Il a plusieurs victimes dans ces réunions-là. Le même homme. Vient une vilaine arnaqueuse professionnelle. Elle a besoin de se tirer de l'argent. Elle va y travailler longtemps sur son coup. Elle travaille toujours très longtemps sur ses coups. Elle a avec elle une complice violente, tueuse ou tueur, ou un complice. Elle va cacher. Elle a besoin de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Alors, son truc, c'est d'aller dans ces réunions de femmes violentes, violentées. Elle va discuter avec elles pour trouver un monstre. Un monstre qui a de l'argent. Un homme qui tape les femmes et qui a de l'argent. Elle va le trouver. Elle va prendre cet homme-là. Et elle va se mettre avec. Elle va pas dire pendant longtemps qui est l'homme qui l'a tapé. Dans la réunion des femmes violentées. Elle va le cacher. Parce qu'elle n'a pas envie d'en parler. Et un jour, elle va dire, moi aussi, je me tape et je suis encore avec. Il a un enfant. Il sait que c'est pas vrai. L'homme va être mis en prison. La femme et toutes les autres vont toucher du pognon. Enfin, on l'a attrapé. L'enfant sait que c'est pas vrai. Il se met en compte. Colère contre l'arnaqueuse. Il dit, comme ça, je ne veux plus vivre avec toi, une méchante. Sûr, tu mens. Elle ne veut pas accepter. Il va lui tendre un piège. Il va dire, maintenant, soit tu me donnes aussi du pognon, soit je vais dire que tu mens. Mon papa il tape personne. Alors qu'elle a plein, plein, plein de pognon. Avec toutes les autres. Ils ont attendu si longtemps que le monstre tombe enfin.
Plein, plein, plein de problèmes. La vilaine arnaqueuse va apporter l'argent à l'enfant. L'enfant, il va dire, maintenant que j'ai l'argent, j'ai la preuve que c'était bien toi et que tu avais peur que j'aille parler à la justice. Et donc tout ça, on va vous le reprendre. Et mon papa, il va sortir de prison. La vilaine arnaqueuse, elle a enregistré mon papa, il va sortir de prison et je vais le faire sortir de prison. Parce que t'es une menteuse. Elle a prévenu toutes les femmes qui avaient l'argent en disant, ouais, il va faire sortir son papa de prison. Elle a appelé toutes les femmes. La personne qui a voulu, alors elle a appelé son monstre. Ou s'il y a quelqu'un qui a voulu, ils se sont débarrassés simplement de l'enfant. Et après, bah, chaque fois que la vilaine méchante essaye d'utiliser son argent, il se passe quelque chose et elle n'arrive pas à en profiter. Parce qu'elle a menti sur le papa. Il ne la tapait pas. Et le monstre qui était caché là, qui attendait depuis le départ, avec qui il devait partir avec l'argent, il a regardé l'enfant, il a dit, bah non, pas toi. Toi, t'arrêtes. Tu laisses la queue, on est des professionnels quand même. Aha. Et voilà. Et toutes les personnes de l'entourage de l'enfant qui attendaient de savoir s'ils recevaient l'argent. Ce qu'elle voulait dire que l'arnaqueuse était une arnaqueuse, qu'elle voulait acheter l'enfant. Attendaient de savoir si l'arnaqueuse allait avouer qu'elle avait donné de l'argent à l'enfant. En réalité, pour tenter de l'acheter, pour tenter d'acheter son silence d'enfant qui dit mon papa, moi, il tape pas les gens.